Bonjour à tous, Mathieu Lagneau, professeur de golf depuis plus de 20 ans. Bienvenue à Toulouse aujourd'hui où on va voir ensemble deux exercices qui vont vous permettre de corriger une socquette. Donc pour ceux qui ont la chance de ne pas en faire ou d'en avoir jamais fait, une socquette c'est un coup qui est frappé dans le sol de la face de club et qui, plutôt que de partir dans la direction voulue, partira à droite, voire très à droite. On peut aller vraiment parfois jusqu'à l'angle droit à droite et donc un coup absolument terrible qui fait des ravages sur les cartes de score. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer ces deux exercices qui vont vous permettre d'améliorer ça. Donc le premier, où vous allez utiliser deux balles en les plaçant comme ceci. Donc on place les balles de sorte qu'il y ait juste l'espace nécessaire pour que le club vienne frapper la balle au moment de l'impact, comme ceci, sans frapper la balle qui est juste à côté. Et donc de cette manière-là, vous allez trouver les solutions vous-même pour venir améliorer ce centrage de balle qui vous permettra de vous prévenir de ce coup tant redouté. C'est parti. Donc je me place, ma balle est centrée par rapport à la face de club, en posture, en équilibre, et à partir de là, je frappe. Voilà. Donc j'ai réussi à ne pas toucher la deuxième balle, ce qui m'a permis de centrer cette frappe au milieu de la face de club et de réaliser plutôt un bon coup. Voilà. Donc ça c'était le premier exercice, maintenant on va le faire avec un deuxième, où cette fois-ci vous n'aurez besoin de qu'une seule balle. Et donc l'objectif de cet exercice va être de partir avec la balle qui sera cette fois-ci adressée en face de l'osel du club, donc en face du talon, pour essayer de swinger et de revenir en frappant la balle au milieu de la face. D'accord? Donc voilà, donc dans la socquette, il se passe l'inverse, c'est-à-dire qu'on frappe avec au départ une position qui est centrée, avec la balle centrée par rapport au milieu de la face de club, et donc au moment de l'impact, un changement de direction qui fait que la balle vient être frappée dans l'osel. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de faire l'inverse. Je me positionne comme ceci, en face du talon, en posture, et j'essaie simplement de frapper la balle au milieu du club. Voilà, plutôt un bon coup. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite un bon entraînement. À la prochaine!